Et salut tout le monde. Alors, du coup, par rapport à la dernière fois, j'ai checké un petit peu le guide, là, le nouveau guide là, qu'on a reçu, et tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Titus. Et j'ai vu que j'avais loupé 2-3 trucs. Enfin, non, un en fait. Pas 2-3. Ici, là. En fait, dans la zone que j'avais regardé, on pouvait tomber. Alors, j'ai aussi loupé toute une suite de quêtes avec le premier personnage qui nous disait de passer par la petite porte et pas d'attaquer par la grande porte. Voilà. Il fallait le retrouver à plusieurs endroits et j'ai pas fait gaffe, je l'ai pas vu, je suis pas passé par là, je ne sais pas, enfin soit. Du coup, c'est pas grave. Est-ce que ça peut suffire? Non. À la mode. À l'ancienne, voilà. Tac. Vous voyez, vraiment pas top ce soir en vrai. Je suis vraiment pas fan, je vais le virer. Parce que ça sert à rien de prendre un emplacement pour rien. Ouais, ils ont sorti en fait le premier volume des deux guides en fait. Il y a celui-là, tu vois. Voilà. Où tu as. Tu sais, tu tapes guide Elden Ring sur le net, tu verras. Tu pourras voir un petit peu. C'est gros bouquin, il y a pas mal de choses. C'est une première partie en fait. Où il y a les zones qui sont détaillées, tout ça. Alors, les guides, je suis pas fan de les utiliser dès le début. Bon, comme là, c'est déjà mon deuxième run. Une fois que je pars là, je sais que j'ai encore deux choses à faire. Donc du coup j'ai checké un petit peu dans le guide si j'avais fini la zone vraiment comme il plaît, lui c'est deux gros boucliers, si j'avais fini la zone et j'ai vu qu'il y avait un autre endroit où on pouvait accéder et je ne suis pas allé. Et c'est là aussi que j'ai vu du coup l'histoire de la quête du premier PNJ là, qu'on rencontre et que j'ai pas fait. Alors du coup celui-là, on va le tège, est-ce que je peux le remplacer par quelque chose d'autre? À la limite, on va tester ça. Mais je pense que plus tard je referai un run. Qui fera. Je referai un run avec un build de foi ésotérisme pour pouvoir utiliser la magie des dragons et en mode saignement, parce que l'ésotérisme impacte aussi les saignements que tu mets. Je ferai les quêtes des personnages. Là, je les prendrai vraiment dans l'ordre, histoire de quoi. Alors, combien ça fait de dégâts, ça, au total? 3, ouais. Ah ouais, 247. Ok. C'est pas mal. Ça coûte de la mana. Mais c'est pas mal, alors que lui... Bon, il coûte beaucoup moins de mana. Mais il fait combien? 254, bah non en fait. Du coup. Bah d'accord, super. Ah mais oui, c'est pour ça que vous avez tout pété. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu veux, hein. Ah, ok. Alors, du coup, c'est ici, en fait, que l'on peut aller chercher deux, trois autres choses. Ici il n'y a rien. Tiens, Titu, tu peux me dire si c'est bon au niveau du son? Si tout est bon, le son de ma voix, le son du jeu. J'ai trouvé un guide. Bon, c'est ça, en deux volumes. Et le deuxième volume, il devait sortir, il me semble, fin juin. Moi, je me trompe avec celui du dernier Zelda. Mais il était décalé en septembre. Je l'ai préco et apparemment, là, il est décalé en septembre. Ok, donc là, on fait gaffe à pas tomber. C'est ça, et la dernière fois que je suis passé ici, j'avais bien vu un point lumineux là.
Mais je savais pas si c'était un endroit où on allait aller après. Un bouclier en bois entaché. Il est où? Voilà. Force accumule du saignement. Ah, c'est un bouclier. Ah bah justement, tu vois, on parlait de bulle de saignement, pourquoi pas. Coucou Modus. Oui, parfait niveau son. Je vais voir, parfait. Ça va Modus, j'ai vu que tu avais fait du Resident Evil. Un bouclier, un mode sur le voilà, je vais l'insérer du château, il est marbré, il est couvert de ronces. Certains affirment que pareilles afflictions sont dues à la malédiction de la greffe, tandis que d'autres suspectent une cause bien plus sinistre tapie dans les entrailles de la forteresse. Aucune compétence, cette arme est disponible dans si l'arme. Ok. D'accord, mais elle accumule du saignement. Ok. Et lui aussi, d'ailleurs. Ah, ok. Bah écoute, ça va, ça va. On a fait de la pindouille toute l'après-midi. Du coup, bah écoute, on est merde. Du coup, on est bien. On est bien. J'étais passé à côté de cette zone, dans le guide que j'ai vu qu'elle existait. Parce que j'ai lu le guide comme j'avais fini Voile d'Orage, enfin j'ai plus que le gros chat, le gros. Lion, loup, je sais plus quoi là, qui m'a dépop la fois passée à faire, et puis les deux gros chevaliers de l'autre côté. Et donc je pensais en avoir fini. C'est là d'ailleurs que j'ai vu l'histoire du PNJ. Coucou mec Gigi, oh là là, comment ça va depuis le temps? Hop, allez. En clair, droit devant. Oh, y a un truc là. Cendre de guerre piqué tempêteux. Ok. Nice. Hello, y a la modus. Hello, la mag. Pourquoi hello? Y a un truc. Octroi des affinités utilisables sur les armes d'as capables d'estocage, les épées, les stocks et. Une des compétences faisant appel aux tempêtes de voile orage. Vous vous entourez de rafales et bondissez vers l'avant, la pointe de votre arme vers le bas. Cette attaque fait apparaître d'autres rafales au point d'impact, utilisables sur les épées des stocks lourdes, les lames doubles, ainsi que sur toutes les astes. Ah. Ok. Eula. D'accord. C'est un peu comme. Oh là, Kétal! Ok, donc là ça doit être par là. On va run un petit peu. Ah, tu vas restream, Dame Modus? C'est fou ce que le jeu te retourne comme ça. Oh putain. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, on n'est pas là pour enfiler des perles en fait. Ok, d'accord. Right. Ok, on y va. Non, non, mais ça va, monsieur. Bonjour, enchanté. Enfin, c'était. Je vois pas du tout où je vais, c'est un peu complicado. Ok. Je sais pas moi. Tiens, ouais, ça peut être une bonne idée ça. Non, non, en fait, c'était pas une bonne idée. Non, non. Ah, par contre, il enlève son bouclier à un moment pour me taper. Et c'est là qu'il peut prendre tarif. Ok. Donc, il faut simplement y aller. Faut simplement y aller.
Allez, ouais. Putain, de piaf de con. J'aime vraiment pas ces piafs. En vrai. On va spam les tirs en vrai. On va pas se faire chier. Allez. Trop loin. Sérieusement, quoi. Non, mais des. Allô? Vas-y, il manque un poil de chouille. En vrai. Bien sûr. J'y crois pas. Destiny 2. Ah, il est sorti l'extension. Non, c'était là. Hop. Non, c'est juste pour les personnes. Il y a peut-être moyen de le faire tomber en vrai. Il y a peut-être moyen de le faire tomber. Ah, ou alors là, il y a là-bas, on dirait. Ah! On a peut-être une chilostrate à faire, maybe. Ouais. Ouais, le chevalier dans la pièce, il m'a un peu fait mal quand même. Je peux peut-être passer quand il est dodo. Qu'on se cache dans les fourrés. Hop. Run. Ok. 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 Ça serait pour nous. Ouais, ok. Ça serait pour nous nous barrer. Il était bien caché ce mob là quand même. On va l'avoiner d'ici, non? Il va revenir peut-être. Est-ce qu'il va revenir? Je vais me trouver néné avec lui à la porte, ça va être beau. Ah non. Oh, je peux aller le backstab. Ah non, ok. Run. Il est où? Caché ça ici. Oh, tu avances pas décidé quand même, Gaillard.
Moi je dis, il veut mon boule. Ah oh, c'est beau ça. Ah oui, non, mais c'est... Ouais, non, je... Je l'avais pas vu venir, ok, autant pour moi. Ah, j'ai oublié de mettre ma mort d'avant. Un, deux. Ah ouais. Il est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué là. Bon, je vais aller faire les deux autres, je reviendrai sur celui-là en dernier avant de quitter Voile Orage. Oh, quoi que. Ah mais tu vas voir que c'est celui-là en fait. Ouais. Ah mais oui, tu vas voir que c'était celui d'en bas, j'aurais pu y retourner directement comme ça. Dame Ned. Par où on vole hein? Ah oui, en haut. Allez, on va pas perdre notre temps. Ah bah super. Oh mais meurs. Ah oui, ce que j'avais oublié de faire, que j'ai fait hors live, c'était juste dépenser mes deux graines dorées pour avoir une fiole de plus, que j'avais récupéré. Tu vas te réveiller, je suppose. Tu te réveilleras pas. Voilà. Alors, que je me souvienne par où il faut que je passe. Par où il faut que je passe pour aller là où j'avais pas fini. C'était là-bas. Me semble-t-il. Ouais, voilà, c'est là-bas. Donc, du coup, il faut que je passe par là. Ouais. Ça me revient. Touk. 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 Et là, il faut aller sur la petite corniche. Comme ça, je peux avoiner les deux mecs de loin. Voilà, et c'est là que je suis pas allé. C'est sur lui et l'autre gars. Donc, je sais pas s'il y a des objets ou pas à récupérer ici. C'est pour ça qu'il faut que j'y aille quand même. Pour les flottes trop loin. Ouais, tout à fait. Bon, maintenant on est tout en carton aussi. Oh, une hallebarde. Et l'arbalète. Bah, dis donc. Moult loot. Équipez-vous d'un arc et décochez des flèches. Ouais, alors tu me dis ça comme ça en plein fight, quoi. Ok. Ça, il manque pas grand chose pour les one-shoot. Hein. Faut vraiment que j'augmente mon intel en fait. Voilà. Mais vrai que je te montre un de ces quatre mon autre perso quand même. Coucou monsieur Karzomir. Non parce que bon,
Après, tu vas dire, ouais, Ken, il joue un magicien, c'est tout cheaté, ça reste de l'eau. Tu peux l'avoir comme ça, toi ? Ça marche, merci pour le lurk. Bon, pas trop de morts, mais bon. Après. Est-ce que le fait de ne pas avoir trop de morts, enfin, je veux dire, dans ce type de jeu, aux F, quoi. Bah là, on a des fesses. C'est quand même hachement plus simple qu'avec mon guerrier quand même, hein. On va pas se mentir. Oups, putain, lui se réveille direct. Ah, il y a un loot là-bas. Ouais, va-t'en. Va-t'en à ta maison, toi. Charger comme un gros malade. Putain la vache, il m'a enchaîné. J'ai spammé les esquives, ça n'a pas marché. 34, pourquoi il passait de 32 à 34? 37? Non. J'étais à 33 du coup. Allô, le compteur il s'emballe. 0, ok. C'est ça, un 33, j'ai pas de conneries. Ouais. En fait, j'aurais du run pour prendre l'objet, en fait. Ah, mais non, j'ai oublié. Chaque fois, j'ai oublié. Y chuter. Quand tu veux. Thank you.
Ah, il y a encore ces deux-là aussi. Non. Au gris. Qu'est-ce que vous... Putain, j'ai du mal. Voilà, c'est mieux. Ah d'accord. Tout ça pour ça. Ok. Tout ça pour ça. Je sais pas où ça va nous mener, ça. Je pars sur Destiny du coup, je laisse en l'air sur l'ordi. Bon courage. Ça marche, Modus, je te fais des bisous, passe une bonne soirée. Ciao ciao. Amuse-toi bien sur Destiny. Ça, je ne sais plus d'où ça mène. Ah si, et ben on est ok. Là c'est le fameux deuxième boss, enfin deuxième boss. Boss que j'ai pas encore fait en fait. Ok, combien on a d'âmes? 5006. Ok, on va pas aller mourir là bêtement. Je vais remonter. Ah oui, il y a des rats. Il y a pas de rats? Il y a pas de rats. Ah si, c'est là qu'il y a des rats. Donc non, c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Je vais aller à l'autre feu de camp, l'autre côté. On va tuer tous ces neneux ici. Ok, bien sûr. Warhammer là? Non, oui. C'est pas loin, y a rien. Non.
Là, c'est l'autre gars, mais il est plus là. Je sais pas du tout où il est. Le problème, c'est que si je fais ça. À 30 d'intel. Pas le choix. Donc du coup, là, le problème, c'est que tout a repop. Et dès qu'on va sortir, on va se faire pigeonner, allumer, défoncer. Donc je ne sais pas si en courant, je vais pouvoir réussir à passer. Non, ok, d'accord. Ok. Ok. Il m'a snipé le talon. Là. Ok. Ok. Bon, je commence à baisser de l'intensité. On va fermer son volet, mettre la lumière. Touc. Touc. On ferme le volet. Touc. Voilà. Et la lumière fut. Bon. Bon. Bam bam bam. Je suis pas convaincu que ce soit le meilleur meilleur endroit pour moi. Ouais, puis là de toute façon. Là de toute façon, non, c'est trop long. Et si je passe par là, ça va être pareil, on va se faire allumer. D'accord. Je voulais pas m'en taper le long tour, mais en fait, on va devoir se faire le long tour. Hop, hop. On va me faire ça, on va y récupérer. Vous allez me dire, on n'est pas à 500 âmes près, vu le nombre qu'on va en perdre, mais... elles sont là. Touk, touk. Donc là, du coup, on va directement passer par là. Est-ce que ça, ça peut les taper tous en même temps? Ouais, non, pas de masse en fait. Ça va. Touk, touk, touk.
pas le target. Hey, j'ai pas vu qu'ils avaient les yeux brillants en fait. C'est con parce que ça me fait utiliser beaucoup de mana pour pas forcément grand chose. Oh puis j'ai mis les... Ah ouais, ça avait quand même... ok. Il y a un petit effet d'AOE qui est pas vilain quand même. Après, je me demande si si on rush le boss, si le boss tuerait pas ces adds là aussi en même temps qu'il nous frapperait. La portée de ce sort, c'est une grosse limite. Parce que là, il n'a plus des masses de points de vie. Target, non. Ok. 128 de dégâts, ok, c'est joli. C'est bon, hein. Par contre, je l'ai plus en target, on peut expliquer pourquoi, merci. Trop long.
Putain, ça va être long si à chaque fois faut toujours tout clean. Ouais, j'ai bien envie de faire un try. Ouais, faut quand même que je tue les arbalètes. Et après, je rush dans le temps. Et j'active le boss et je vois s'il tue les ads. Sûr qu'il tue les ads. Bon, je pensais que les deux allaient. Les deux mecs allaient tanker un peu mieux. Ils allaient prendre l'aggro, du moins. Mais non. Personne ne me suit. Non. D'accord, je pensais que tu avais ici. Tu meurs. Allez, je vais essayer d'activer le boss. Et de voir un peu ce que ça fait. Ah d'accord, déjà je suis coincé, super. Eh les gars, il y a un boss là. Mmh. Est-ce que vous avez vu le carnet? Au moins. Ah bah non. Ça l'a pas dit. Hein? Quoi? Putain. Il m'a suivi, le con. Il m'a suivi. T'es où? Ok, il y a juste trop parti. Thank you.
Ah ouais, carrément. Ah parce qu'en plus, il y a encore un gars qui me tire dessus, de je ne sais où. Ouais, enfin, le clean que t'as à faire avant de taper le boss, c'est compliqué quand même. Hein. Moi que je fasse tout au cac, mais là... Bordel, il esquive comme il veut, quoi. Ah, compliqué. Ah bah c'est bien, au moins, il y a un signe de grâce. Bon, bah, hop, on va dépenser son XP. Talisman de résiste à la foudre, me semble-t-il. Ah, mais non, la résistance est exacte. Ah oui, les catacombes funestes, je les ai pas faites aussi. Là, je crois qu'il y a des gros géants qui nous défoncent la tronche. Ouais. Ça va, j'aurai le temps de le voir tirer sa flèche. D'accord, ok, super. Ça marche, Titus. Merci d'être passé, à demain. C'est peut-être là où il faut venir réveiller la rune du boss que j'ai tué. Ça, j'avoue, je ne m'en souviens plus. C'est là qu'en haut il y a des pointes. Empalé.
Non. Ok. On ne sait jamais, quand je vais repartir par là, je vais... Je pensais le faire remonter en un endroit que je vais explorer. Ah, voilà. Hop. Ça, ça aura le temps de revenir. Voilà, je suppose que c'est des trucs qui disent de se jeter dans le vide. Prenez-nous pour des couillons. On dirait qu'il y a de la neige devant. Ah, mais c'est des doigts en fait. Ah ouais. Comment un mec a fait pour moi ici? Ah oui, il a su sauter dans le vide. Ok. Restaurer le pouvoir de la rune majeure. Rune majeure de Godric. C'est là qu'on les met. Arc runique, ça c'est pour utiliser une rune majeure. Augmente tous les attributs. Ok. D'accord. Ok. Bon. Bah c'est bon. Je crois qu'ici, il n'y a plus rien à faire. À part jeter un petit coup d'œil circulaire. Ok, bon, on s'en va. On s'en va, on s'en va. Je vais essayer d'arriver dans le dos du géant pour voir si je peux tuer l'archer. Ah oui, mais quand on arrive ici. Mais il y a quand même ce coin-là à explorer. J'espère qu'il n'y a pas de géant. Oh putain, mais c'est un mob.
suis fait surprendre. J'ai mis un point de plus, j'arrive à les OS. Faut toujours aller se balader partout dans le jeu. Ok, donc pour repartir, on ne peut utiliser que le voyage comme ça. Ok. Bien attendu à ce qu'il bouge. Qu'est-ce qui fait les sorts, ça risque d'être un petit peu compliqué, non? Bien, mais bon. Chilostrat ça quand même, hein, non? Ok. Pierre, on s'embête, c'est vieux. Ok, ok. Ah ouais, il n'y a vraiment rien en fait ici. Un petit lys là. Et qui est... bon bah il ne reste plus que le chevalier du creuset là, qu'on a fait tout à l'heure. Combien d'XP?
XP, 2094, ok. Chevalier du Creuset, ben écoute, on va y retourner, du coup on va faire ça, là. Ça fait 21 runes, j'en ai 17. Ça donne combien ça? Peut-être 400, ça compte pour deux. Donc 21, 19. 19. Ça fait 9. Et 5. Du coup, monter de niveau. Serre de faucon de guerre, oh, c'est sympa, c'est quoi ça? Arme à une main? Les épaisseurs sont attachés sur les pattes des faucons de guerre de voile orage, et si cependant étaient réadaptés pour des humains, possèdent une lame fine et légère afin de ne pas entraver les mouvements du rapace. En taille tournée, en compétence appréciée des guerriers les plus adroits, vous tournez sur vous-même pour taillader vos ennemis, enchaînant cette compétence pour effectuer plusieurs attaques d'affilée. Ah, c'est tourbilol quoi. Ok, c'est un DSC, ça marche. Moi j'avais déjà été voir ce qu'il y avait là. Ah mais c'est là-bas qu'on pop au début du jeu en fait. Et qu'on se fait péter par le premier boss là. Ah. On va le laisser passer, on va aller actionner le... Comment le... Je vais y arriver. L'ascenseur. Il m'a fait peur le mec en blanc derrière. Je lui dis, oh là, il est déjà arrivé là, il me suit.
ça va, il m'a pas vu là quoi. Juste pour regarder ici en dessous, voilà, il n'y avait rien. Je vérifie qu'il soit bien plus là. Il n'a pas bougé. Non, alors on ne peut pas le backstab lui. C'est nul! Oups, j'ai chu. Ok. Bon, un peu plus de place ici. Mais non, qu'est-ce que je fais ? Et non. Bien vu. Putain. Il m'a eu exactement comme tout à l'heure. Il a refait la même. Il a refait la même. Mais c'est pas grave, j'aurai moins loin. J'ai pas besoin de tout me retaper. Bon, c'est pour le plaisir de le faire aussi. Non, je pourrais très bien revenir ici dans 30 levels avec des sorts plus puissants, puis faire un badaboum. Bon, on l'a déjà mis de live. Ah ouais, carrément, ok. J'ai pas trop compris ce que t'as fait, mec, mais...
J'aurais dû. Non. Et B, c'est bois aspect du creuset corne. Tuk. 27 de foi. Ancienne incantation des cultes de l'arbre. Vous pouvez faire apparaître une corne massive sur votre épaule et encorner les ennemis en fléchissant les jambes. Chargez cette incantation pour vous ruer sur l'ennemi avant d'asséner le coup fatal. Cette technique est une manifestation de l'énergie vitale primitive de l'Imbremonde, l'un des aspects du creuset primordial au sein duquel toutes les vies furent naguère entremêlées. Hippetitio. Ok. Ouais, ça me donne envie vraiment de faire un build deux fois. À la limite, je le ferais peut-être en NG+. Bon, moi, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on a fait le tour, du coup. Donc, il y aura juste le premier PNJ. Je sais pas trop. À la fin, je sais qu'on le retrouve dans la salle du trône. Alors, je sais pas où se trouve la salle du trône. Parce qu'il y a toute une suite de quêtes avec la fille... Enfin, ça, je sais pas pourquoi j'ai remonté combien 1600. Donc là, on va aller là, ici. Touk. Et puis, on va faire ce donge. Comme ça, je pense qu'on aura fini la zone. Fais gaffe qu'il n'y ait pas de piège. Ok. Ah oui, je me souviens ici. Ouais, faut les tuer deux fois les squelettes, sinon ils repop. Là, c'est pas une zone. Non. Oups. Ah, mais vas-y. D'accord. Okay. Ouais, ils sont deux, c'est bien ce qui me semblait.
Moult squelettes. Moult squelettes. Ok. D'abord eux qui bougent, pas de soucis. Allez, venez. Ah, je pensais que j'allais. Ah, oh, c'est un chiant de pas pouvoir y tarder. Il bouge pas. Évidemment, c'est pas pour rien qu'il y avait une entrée de l'autre côté. Hein. En vrai. C'est parce qu'il y aura un nœud là juste ici qui. Qui n'attend que ça pour nous faire du mal. Ça dit quoi? Péril droit devant, sans blague. Ok. Pas de mobs sur les murs. Je me doute que tout le monde doit se lever d'un coup. Oh, que ça? Putain, j'ai loupé. J'ai vu ici. Ok, ça c'est fait. Je crois qu'il devait être là l'archer, non? Ah, il est là-bas. Ok, il nous a vu. Je veux dire, est-ce qu'il nous a vu? Oui, il nous a vu. Bah, il est où? Ah, il est là. Et en plus, il est tombé ce con. Oh, mais au secours. Mais non, c'est ça. Ah, et maintenant il a repop là ici. Ok. De sang. Ah bah voilà, je savais bien qu'ils allaient se réveiller à un moment ou à un autre, les deux là, les deux gus du goût.
tape dessus. Vraiment de la courte portée. Hein. On est où? On est là. Ouais. Cette hache est pas mal, mais la portée est vraiment courte. Donc tout ça pourquoi comme loot d'ailleurs. Ah Luigi Katana, ok. Ah d'accord, arme de saignement du coup. Donc. Ah le croc du ligny, ouais, c'est vrai, ça aussi. 45 de saignement. Des en force, des en dextre. Ok. Donc là c'est bon. Ouais, les premiers petits donjons comme ça, ça va, ils sont pas très difficiles. Évite le tour. Donc là on va aller se reposer pour faire pop les potions. Hop. Montée de niveau, non, il manque encore 4000 et des brouettes. On verra combien il manque après le boss. Il me dit que j'ai des runes qui sont pas récupérées. Là. Tant pis. J'ai personne à invoquer. Bon. Tant pis. J'essaierai d'invoquer le champ. Ah oui, c'est celui qui prend super cher en fait. Très très mal, par contre il se tout shoot ou il se tri shoot, ouais. C'est vrai, ça c'est une dingue. Donc il a assassiné Godric. C'est un talisman ou c'est vraiment une arme, je ne sais plus. Ouais, c'est ça, les coups critiques restaure des PV. Bon, pour coup critique, il faut vraiment jouer au cac, du coup. C'est quand on fait des backstabs, ce genre de choses. Mortefleur. Donc ça, les mortefleurs, on verra le PNJ un petit peu plus tard pour lui rendre. Et plus on va lui en donner, plus il va nous donner des récompenses. On peut retirer le repère. Non. Comment je peux faire pour virer le repère, tu vois? Si j'en remets un dessus? Ah ouais, c'est ça. Ok. Donc, statut.
Ah, il manque 2300. Il manque 2300. Ah, c'est le double à chaque fois. 800, ok. On va ici aller récupérer au milieu des géants là, qui se baladent, il y a un espèce de... Un espèce de... De gros pilier où... comment... Bon, il y a un truc à récupérer dedans. Et pour le récupérer, il faut que les géants cassent ce fameux pilier. Je crois que c'est des pierres de forge d'ombre, quelque chose comme ça. Bon, c'est un loot intéressant. Voilà. Le géant, ce qui est plutôt pas mal. Cinq pierres de forge de niveau 1 et une pierre de forge niveau 2. Oh, je pensais que c'était plus badass que ça. Tech. Alors lui, on voit qu'il y a un loup à ses pieds, du coup on va le chercher.
ici au début, j'y arrive. Si on cherche des... Surtout en caster. Hein. La nuit, il y a un mob ici. Je sais pas quelle période on est. On est l'après-midi. Non. La nuit, il y a un gros corbeau comme celui qu'on a tapé pour avoir le la hache. En fait, on a combien? 5000. Ah oui, ici c'est là, on est là. Je peux le target, merci. Oups, j'ai entendu. Je suis trompé de sort. C'est des bouts de ruines, je crois. Voilà. Fragment de ruines, je ne sais plus à quoi ça sert. C'est peut-être ça doit être un compo de craft. Ça c'est fait. Je pense qu'on a fait le tour du coup ici. Il nous reste lui à buter.
quoi le truc ici? Non, en face. Ah, puis c'est vrai que je suis bête, il reste aussi le premier boss. Enfin, le gros gars sur son... sur son cheval, là, devant la première église. C'est vrai. Donc... on a tout ce qu'il faut. Limite la parole, hein. J'accepte. Elle allonge. Ah putain. J'étais pas en train de regarder. Je pensais que quand il allait taper au sol, après il est donné son coup d'épée, mais là il a tapé au sol et il m'a chargé. One death.
Ok. On se laisse pas. On continue, on reste zen. Mais non! On perd deux fois. On fait ça, on fait ça, on fait ça. On le laisse revenir. Mais oui! Ah, ça s'est vu à 15 000 lieues. Oh, le pixel d'HP qui lui reste. Le pixel d'HP qui lui reste. Une mort de plus. C'est bon, t'es calmé? Il était agressif en début de fight. Tu veux? Va mon nana. C'est des boss comme ça. Non. Oh putain, plus de mode. Oh là là. La prise de potion qu'il fallait pas. Ouais, j'ai envie de tester les trucs. Je vais tomber. Ouais, je pensais que ça allait être un peu plus rapide, mais c'est ouf les mobs qui sont en résistance comme ça. Ça va. Allez, ce coup-ci c'est la bonne. Petite mort en plus.
Non. Je peux la lire cette attaque, hein. C'est ouf. C'est ouf. Mais non, je l'ai esquivé, sérieux. Voilà, non, je suis pas d'accord. Bon, on va pas y passer trois plombes. Ça a toujours qu'on fait un try. On laisse un pixel HP derrière, il n'y a plus rien qui hop. Mais bien sûr, bon carrément. C'était gratuit, c'était cadeau. Bon, les derniers try, sinon après on ira ailleurs, on va pas. On viendra quand on sera plus haut level, qu'on aura plus d'intelligence et qu'on fera plus de dégâts.
d'accord. Les épées sont allées dessus, mais ils n'ont pas fait de dégâts. Parfait. On veut faire. Ça ira. C'est bon, tu me lâches ça à 30 secondes, non ? Non. Je vais essayer de voir si je veux l'approcher, lui mettre un coup de mes attaques de ma trancheuse de carrière, voir un peu les dégâts que ça faisait, si c'était mieux ou pas. Je vais refaire un travail quand même avec ça. 44. Ouais, ça lui fait quand même vraiment beaucoup de dommages. Ça lui fait beaucoup de dommages. C'est pas mal. De toute façon, ça me saoule, on va pas passer 300 ans. On va revenir ici et on va avancer. Vous ne valez rien comme seigneur pourri jusqu'à la moelle. Ah oui. Le revenant. Quand elle exploitait les gens, on a toutes ces grèves, vous voyez comme elle vaut rien. Toujours de haut, Godric, espèce de large immonde. Elle mirait, ressentait ma colère vengeresse. Oh, cette fouine, Godric m'a toujours pris de haut. Il a eu ce qu'il méritait grâce à vous. Croyez-moi, on ne récolte que ce que l'on sème. Une fin horrible pour une personne aussi horrible de cœur et que d'apparence. Ouais, à la limite, il y a peut-être ça qui est bien, mais c'est un objet qui est craftable aussi, je crois. Objet pouvant être fabriqué. Ok. Je fais le tour, je regarde s'il n'y a pas de loot. Il
Il semblait qu'on pouvait descendre. Que je sais qu'en bas du château il y a comment il y a un autre boss, un espèce de gros ver énorme là. Puis il y a une porte qui était fermée. Je ne sais plus comment on fait pour y aller. C'est la fameuse. Ah, c'est la salle du trône. Oui. Ah oui, non, on peut pas casser les murs, on peut pas attaquer. Fruit de Chabiri. Ah, c'est pour la servante, chère servante, où êtes-vous? De grâce, prenez mes fruits. Une servante aveugle qui va à qui on va donner les fruits de Chabiri. Puis à un moment, elle va s'apercevoir que les fruits sont en fait des yeux. Château où on a failli passer comment tout à l'heure en passant par là, enfin au dernier live en faisant le tour ici. Voilà, on pouvait y accéder. Voilà, en faisant le tour par ici comme ça. Bon, il y a des loups, des machins, rien d'intéressant. Mmh.
Un petit cimetière. Toujours des choses à récupérer dans les cimetières. Avec évidemment son lot de squelettes. Oups. Faut se balader pour les faire tous pop. Comme ça, après on est tranquille. Parchemin de l'académie. Ah bien, des nouveaux sorts. On va pouvoir repartir voir la sensei et lui filer. Je pensais que c'était dans cette église ici, moi, qui avait. Vous êtes un sans déclin, n'est-ce pas? Dans ce cas, pour une à dépenser, croyez-le ou non, mais j'étudie la sorcellerie des pierres d'éclat à l'académie de Raya Lucaria. Pour une modeste donation, je partagerai volontiers mon savoir avec vous. Faire don de 10 runes. Oh, merci infiniment. Vous êtes vraiment un saint. Je m'appelle Tops. Comme promis, je peux vous enseigner des sorts si cela vous intéresse. Sauf que aucun d'entre eux n'est proprement impressionnant. Pardon. Je regrette, mon ami. Je crains que mes piètres sorcelleries ne soient pas à la hauteur de votre générosité. Tenez, j'ai une idée. Vous voyez ce bâtiment en or qui se dresse au-dessus de l'eau? Il s'agit de l'académie de Raya Lucaria. On y étudie la sorcellerie des pierres éclats. Or, cela fait un bon moment que ces portes sont closes. Après avoir déclaré qu'elles n'interféreraient plus lors de l'éclatement, comme vous l'aurez peut-être deviné, les sceaux sont toujours actifs, interdisant tout accès à l'académie pour qui ne dispose pas d'une clé de pierre éclat. Ainsi, me voilà donc coincé ici en tant que sorcier néophyte. Mes chances d'écrire une clé sont bien maigres. Quand ils sont placés sur les sceaux, je venais de sortir, par conséquent, le lieu de mes études m'est inaccessible. C'est quand même ballot. À propos des pierres éclats, pourquoi ne pas vous procurer une clé de pierre éclat? Sans cela, vous ne pourrez pas traverser l'académie. Et vous n'atteindriez jamais la capitale de l'arbre monde. Et si d'aventure vous trouviez une clé supplémentaire, peut-être que... Quand vous aurez terminé tout ce que vous avez à faire, ce qu'importe le temps pour que cela vous prendra, vous consentiriez à m'en faire don? Je sais bien que je suis un morne-pierre et que je n'ai pas la moindre talent pour la sorcellerie.
Mais malgré tout, ma place est à l'académie. Ok. Sélène venait aussi de là. Vous prenez des cours auprès de Sélène. Ah, ça, ce n'est pas rien. Sélène était une sommité, la sorcière la plus prometteuse à avoir fréquenté l'académie. Je l'admirais à l'école, mais c'était comme si un océan nous séparait. Or, Sélène est expulsée de l'académie. Accusée d'avoir traité certains sorciers de façon abominable, elle est devenue la sorcière sculptée. Je ne crois pas un mot de ces accusations. L'illustre Sélène ne ferait jamais une chose pareille. C'est quoi ça? Vous invoquez une étoile pour illuminer les ombres. Ah, c'est trop bien ça. Ah, il me le faut ça. Il me le faut. Je vais te le racheter après. Ah, j'ai bien envie d'aller voir Sélène tout de suite. J'allais lui refourguer. Comment? Je vais aller lui refourguer le truc de sorcellerie là que j'ai chopé. Voilà, jeune disciple. Pouvons-nous commencer notre cours? Oh ben non, il parle pas de l'autre. Parchemin de l'académie. Oh, c'était un parrain ouais, qui me renvoie à mes jeunes années à l'académie. Fort bien, ces sorcelleries ne m'est pas totalement étrangère. Je m'assurerai de l'inclure dans un de vos cours. Ne perdez jamais cette curiosité qui vous anime ici. Alors, on a quoi en plus? Fragment de pierre éclat rapide. Flèche de pierre éclat, celui-là je l'ai. Grand fragment de pierre éclat. Oui, d'accord, avec ces deux-là en plus. Lancer ce sort directement après une autre action. Ok. Ok. Donc il m'en faut 2600. Mais non! Le mec qui met 3 plombes à arriver quoi. Bah non, tu vois, vu mon nombre de morts, Manu. Tu vois que ça... Comment ?
Le sort il est puissant, mais par contre il prend beaucoup trop de temps à acheter. J'ai peut-être raison, ouais c'est ça, tout à fait. C'est pas un jeu qui est fait pour moi. Ah oh, mais non, vas-y, je me suis trompé de sort. Ok, tous les sorts ont loupé. Entre les mobs qui évitent les... Ok d'accord. Entre les mobs, tout à l'heure j'ai un énorme espèce de tigre avec des lames de partout là, qui esquivait mes sorts. Vraiment, tu balançais des projectiles, il y a une esquive à droite, esquive à gauche. Voilà. Et puis lui qui pose son bouclier chaque fois que tu fais un sort. On est bien. Et après les gens se demandent pourquoi j'ai plus de 300 heures sur Skyrim. Non, c'est pas le même genre Skyrim. C'est vachement bien aussi comme.
3002. Pas mal. Albarde dorée. Bah du coup. First try, ou pas. Ou pas. Bon, sinon, c'est bien passé ton week-end. There you are. Shall we commence the lesson? Du coup, j'ai dit je prends ça, je prends ça. Au montage, bon ouais, c'est vrai. Back to learn another wonderful. 2005, ah ouais. Ok. Ok, 2500. Ah, j'étais con, j'aurais dû en profiter pour. Pour changer mes sorts, pour tester les autres. Alors, on va mettre un petit repère ici, voilà. Et le but, ça va être d'aller là-bas. J'ai rien fait, alors j'ai encore du boulot dans l'appart, la flemme. Ah. Bon, demain c'est férié. Oh. On va se faire un petit camp, c'est bien de se faire un petit camp. Target, non? Ton petit truc hein, tu m'as balancé dans la poche. Manuel d'artisanat de Pierre Éclin. Cool. Il fait quoi lui? Non, où est-ce que c'est en vrai? Oh putain. Voilà, non. Ça c'est l'établissement. C'est pas là non plus, c'est pas les sorts. Ah voilà. Étoffe le répertoire d'artisanat. Ah bah je vais pouvoir prendre des pierres et gueules du coup. Ok.
aller voir, j'ai pété tout le camp, t'as rien vu toi. Surprised you found me in my... No matter, no matter. Why don't you take... Oh, but don't ask me help. Baston astrologue, c'est celui que j'avais déjà. Lanterne, attaché à votre ceinture pour illuminer les environs. Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est top. Pierre de forge, manuel melun. Fléchette de cristal, foie séchée anti-magie, flèche fragmentée. Tuer quelques mobs et après on reviendra. On a des choses à acheter, hein, là, au PNJ. Fiole sacrée, améliorer la fiole sacrée. Tac, c'est bon. C'est quoi ça? Oula. Ah, bien. Chercher après là. Mon repère. Bonjour Christian. Ok. Je pensais que ça aurait quelque chose de les casser ce truc là. Obtenir des matériaux. Luciole de pierre et clin. Voilà, comme ça on a la carte. Ok. Il y a tout ce côté-là, tout ce côté-là.
D'accord, il y a encore ici. Ah mais c'est ici pour peut-être pouvoir tomber du coup. Pour avoir l'item. Non ? Je dis des conneries, non, c'est là-bas. Mais non ! Oh, mais qui est boulé, mais qui est boulé. Je vais revenir de 1931. Et il vaut combien ton truc là ? 1500. Allez. Mais j'ai peut-être des choses à vendre, non ? Genre des trucs que j'ai en double ou en triple. Voilà, garde les épées courtes, on en a plein. Bon, je garde qu'un exemplaire de chaque. Et ça c'est trop bien parce que du coup on fait comment on fait équipement, on fait ça. Non, ben, je ne sais plus alors comment ça marche. Ça se met peut-être d'office alors. Berlue quand même. Ouais. Mais il voulait éteindre. Ouais, c'est ça. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il faudrait que je reparte faire un tour à la table ronde. Quelle heure il est là ? 23h40. Non mais je l'ai pas vu ces petites merdes.
Ok. Moult saignements. Pourquoi je peux pas utiliser la carte ici? Ah, je suis en combat. Là, ils ont pas eu. Sérieux. C'était costaud. Ok. Thank you.
feu de brûlant. Ok. Brévière, moine gardien du feu. Ouais, moi je vais aller redonner ça en... de la table ronde. Comme ça, il pourra les avoir. Cristalline du lac. Donc là, comme j'ai ma petite lampe torche, je peux faire ça. Ah non, elle était déjà allumée. Bah elle est là, voilà. Et comme ça, ça me permet de pouvoir avoir... je me souviens d'ici. Ah, j'ai sursauté, connard. Il est parti, c'est bon. Oh putain. Je m'attendais pas. Viennent de où les autres? Non, il y a moyen de descendre par là.
Bah voilà. Bah voilà quoi. Le fait que je me sois fait prendre et sursauter. Talisman de la lance. Augmente les dégâts de la lance. Améliore les contre-attaques des armes de stock. Ok. Hop. Maintenant, descendons. Mais non, pas si bas. Oh putain la vache. C'est trop loin ça. Je connais le gars qui veut plus avoir de mana pour arriver au boss. Il mange pas grand chose niveau dégâts. Je suis toujours obligé de faire un sort en plus pour enlever la petite pichenette qui leur reste quoi. Pierre de forge 4, pierre de forge 2, masse de chair, ok.
Ah d'accord. Ça va être compliqué ça. Ah mais vas-y, hey, tout lui passe au travers quoi, c'est ouf. Putain le mec tu lui balances tes, tu balances les sorts il... Ah, 51, ouais. Ouais, ben, j'ai fait pas mal de try sur le... Comment ? Sur le chevalier... Comment il s'appelle ? Celui dans la prison, là. Chevalier... Je sais plus comment il s'appelle. Soit. Celui qui se trouvait là. Là, ici. Je l'ai mis à 1 pixel HP. Et puis... Après, j'ai fait que des trails de merde. J'ai dit, ok, on va aller plus loin. Ah putain, mais je le sais qu'il est là en plus. Allez, amène-toi. Non ? Allez. Par contre, je sais pas d'où ils viennent, ceux qui se pointent dans mon dos à un moment. Ah bah alors. Alors ça s'est bien passé, Modus, Destiny. C'était cool. Bon, allez. Comment perdre ses 4500 âmes ? Ça, c'est un message pour dire qu'il est l'heure d'arrêter. Quand on fait que de la merde comme ça. Ah oh, bah tiens, j'ai oublié de mettre mes deux morts. Aussi.
Allez, on a plus de vie, on va pas claquer. Hop, sa potion dans le vent. Ah putain, c'est pas possible. Alors le gros il arrive pas. Ah. Ouais, puis limite ça sert à rien de... Ça sert pas à grand chose d'invoquer des cendres, je pense. Oh, vas-y.
tu retapes 15 fois le même passage pour venir au même boss. Ouais, j'avoue. J'avoue. Bien. Bon, le comment la fronde là, beaucoup trop loin, ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est quand même super long à caster quoi. Beaucoup trop long cette attaque. Il est dur ce boss parce que en fait ses attaques ont pas du tout les mêmes les mêmes vitesses de frappe. Des attaques longues et des attaques courtes, enfin des attaques qui ont très vite à faire, des attaques qui sont beaucoup plus longues.
toute façon, ce que je trouve cool, enfin, la grosse impression que j'ai, c'est quand même beaucoup plus facile de jouer tech en fait. Le mec, il a pas de barre d'endurance, donc du coup, il pourra surchaîner ses skills comme il veut. Hein. Bon allez, dernier try et puis après je cut. Ah putain, et ça casse les couilles à chaque fois qu'il faut remettre la torche.
Ah, c'est celle que j'ai, ouais. C'est celle qui est là, la ceinture. Mais comme tu meurs, quand tu meurs, à chaque fois, il faut la réactiver. C'est chiant. Elle devrait s'activer automatiquement dans les zones sombres. Enfin, merde, où est-ce que je vais là, pardon. Excusez-moi, je m'en bourrais. Alors on va passer là-dessus. Tiens d'ailleurs, pour l'équipement, on protège ça. Du coup... Bien sûr. Le mec il t'esquive tellement tout, faut oublier la magie quoi. Regarde, t'as vu, elle est encore coupée là. Elle est éteinte. Donc il faut repartir dessus et la réactiver. Touk. Voilà. J'ai mis ma mort, je sais plus. Est-ce qu'il y a moyen de rusher ? Tic. Tic.
Ouais, tac, c'est mieux. Oh voilà. Allez, c'est bon, on arrête là. On retentera la semaine prochaine, enfin la fois prochaine. Ah, j'avais dit qu'il fallait que j'aille au bastion de la table ronde. Ouais, je vais vite fait aller à la table ronde et je déconnecterai là-bas. Donc, évidemment, on peut pas se barrer quand on est dans un moment. Bon, on peut maintenant. Que diable de progrès, hein? Donnez un bréviaire. Hérétique, c'est l'incantation du déconnement de l'arbre monde. Fort bien, je vais vous aider les stades. Soins d'urgence. Incantation. Soignez vos amis. Imprégnant la mode de flamme noire, projette une boule de feu noir ardente 20 et 17. May the golden order shine. Those who live in death all the more. Ok. Quoi? Those who live all the more. Montrer la morte flamme. Eh bien, encore un inconscient qui refuse d'entendre raison, hein, mais avec un talent indéniable pour arracher les mortes fleurs. Que diriez-vous de faire votre la puissance des bêtes? Si vous consentiez à traquer davantage de nos morts et arracher leurs mortes fleurs, je vous introduirai auprès de Curac le clair bestial. Curanc le clair bestial. J'ai une affaire à régler de mon côté. Le clair lui-même souhaite que quelqu'un prenne ma place. Qu'en dites-vous? Fort bien. Faites voir votre carte. Je vous ai indiqué l'endroit. Il s'agit d'une entrée secrète. Elle vous conduira à Curanc le clair bestial. Le symbole rouge était inscrit sur votre carte. Portail de téléportation. Ok. Ouais, je me souviens, on y va. Dès le début, on peut y aller, je pense. Il y a un truc, je sais plus trop. Ouais, c'est ça, là-bas, et après tu es amené devant lui qui se trouve, je ne sais plus trop où, en Kaelid, je crois. Ouais. C'est lui qui va après garder les mortes. Ok, on s'en fout, pas de nouveaux textes. Trop pareil, c'est toujours un plaisir de vous voir. Et... ça, j'ai tout appris, on s'en tape. Ouais.
took you for no matter how you're up. Okay. Elle, elle est toujours pas là. Le passage qui est le goubou, il faut des clés de pierre. Et à la fin, ça donne un arc. Non, lui, il dira jamais rien de neuf. Et ici. C'est acheté, oui, il y a une clé de pierre ici à 5000. Encore 3 clés ici. Et j'en ai plus. Okay. Bon, ok, bon, on peut décoller. Je sais plus il est fort à quel point le mob en bas. Je ne sais plus. On n'est plus à une mort près, on va tester. La vache. Allez, hop, ça dégage. Langue de raillerie. Merci Modus. Non, bah, il était pas si fort que ça en fait. Je sais plus à quoi il sert lui. Patard unique. Comme ça. C'est ça que je voulais faire. Inventaire. C'est quoi ce machin, le pattern unique? Ah bah c'est là. Pattern unique, c'est une arme de poing tranchant 30 en fois. Une des armes provenant des deux doigts, sa lame est composée d'une suite de symboles informes.
tout bouclier de Paris Ségron. Inflige des dégâts sacrés. L'inscription discrète semble comme suspendue dans les airs. Dans un langage lumineux qui utilise le double. D'accord. Ok. 32 fois. Et ça fait quoi en dégâts du sacré? Ok. Oui, la lampe de raillerie. Ah ouais, c'est si tu veux combattre du monde. D'accord, ok. Oui, bien ça roule. Ouais, je pense que peut-être dans l'intervalle, j'irai me farmer quelques niveaux là auprès des géants, histoire de booster encore un peu mon intel et puis intel esprit. Statut. 15 de vigueur, 15 d'esprit. La Dex on s'en fout un peu. Ouais, la telle faut la monter beaucoup. Ok, bon, on verra tout ça. Allez, ça marche. Du coup, bonne soirée les gens. Merci d'être restés aussi tard. Et puis, bah, du coup, je vous souhaite une bonne fin de nuit. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. On peut être quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui stream encore là, quoi? On a qui moi, personne. Ok, bon, bah, ça roule. Du coup, des bisous, bonne nuit, ciao ciao et à demain.